je sais pas. Est-ce que je les ai perdus ou est-ce que à l'occasion ils sont peut-être restés sur le rive, sur la merde, sur la rive. Et puis c'est tout. Et puis comment c'est vache, c'est très loin quand même le biome marais. Je suis pas sûr d'y retourner. Ou alors par le Nether, en créant un portail par le Nether pour y accéder. Peut-être. Faudrait que je calcule les coordonnées. De toute façon, je les ai gardées avec un screen. C'est pas là de toute façon que je vais aller. Je me replaçais juste un petit peu rapidement. Putain, il y a la bouffe. Bien descendu. J'étais à 41 avant de partir, je suis plus qu'à 6. Hop. Heureusement on a toujours le poulet, enfin le poulet, hop, on va récupérer ça quand même aussi, le poulet, on va le rajouter, hop, alors, allons-y, là on a 30 papiers, on va, la première chose, oula, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, alors, ouais, elle est là. J'ai eu peur. Parce que je voyais pas ma carte. Ok, alors on est. Alors là, on est. Ah oui, on est qu'au level 0 sur 4. Ok, d'accord. Donc là, on est au level. Non, oui. Alors là, on est au level 1 sur 4. On va arriver au moins au niveau 3. Enfin, au niveau 2 déjà. Qu'est-ce que ça donne comme carte ça? J'avais pas dû l'augmenter la première fois peut-être. Ouais, tu charries, j'ai découvert plus que ça. Oh là là là. Bon. Bon, on redécouvrira un petit peu la carte, quitte à faire, on va la mettre au maximum parce que vu l'étendue des biomes... de niveau 3 devrait quand même le faire. Ok, ça fait vachement grossi. Bon. Si on pouvait au moins avoir les biomes aux alentours de la jungle, ce serait sympa. Alors ça c'est fait. En soi, la carte, donc résultat, voilà, on va se prendre de cuir. Ouais, de toute façon on pourra pas faire plus. Je les ai pas pris. Non, je les ai pas pris. Alors, premier enchantement. Du niveau 1, s'il te plaît. Affinité aquatique. Rien à carrer. Efficacité 1. Ok. Alors, on a... non, ça c'est les potions. On a l'efficacité 1. Donc on a... donc on a un efficacité 2, un efficacité 1. On a un affinité qui ne nous servira pas. On peut fusionner nos deux puissances et arriver. Nos deux puissances pour 5 niveaux. Donc, hein, puissance 3. On peut aller jusqu'à puissance 5, il me semble. Donc on enchantera jusqu'à puissance 5. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est ce que j'avais prévu. On va laisser notre petit champ en bas, hein, mais on va mettre beaucoup plus de canne à sucre. Ça
pas bien compliqué, hein. On va simplement creuser ici. Allez, juste, j'avais ma pelle dans le secteur, voilà. Vachement plus efficace. Ok, et ok, le milieu de la clôture c'est là. On va prendre le seau d'eau. Parfait. Qu'est-ce qu'a sauté là-bas? Ah, c'est le j'ai vu un truc sauter. Ok, c'est juste un cube, voilà, enfin ouais, un bloc. Oh là là là. Oh. Bon, de toute façon, comment je pose juste ce je vais poser là bas ici. Ouais, en soi ici. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le milieu, parce qu'avec ça on n'a pas l'impression, mais si, c'est bien le milieu. De toute façon c'est du 4 sur 4, hein. C'est pas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Ok, j'ai dit que j'avais de la poudre d'os, c'est pour ceci. Comme ça on va pouvoir avoir des melons en masse. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, donc oui, j'ai eu un petit coup de téléphone et j'ai un peu quitté le jeu en panique. De toute façon, tout ce que l'on va se faire avant de se quitter, c'est juste aller se chercher, enfin se crafter. Les magma cream, donc il me faut ça. Enfin, il me semble qu'on peut se faire une même macrime, mais je suis pas sûr. Alors attendez, non, c'est pas ça, donc c'est bel et bien ça qu'il faut, et ça, ce qui signifie qu'on peut se faire au moins 6 potions de résistance au feu, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc pour les potions, on va mettre les slime balls avec les potions. Et on va se mettre une première magma cream. Magma cream avec de la redstone pour augmenter son sa durée. Sa durée. Je suis en train de réfléchir à un truc. On va faire ça. Ok, un coffre, du fer, pour se faire un entonnoir. Et entonnoir par-dessus. Ouais, pas comme ça. Le brimstone, et puis donc là j'ai dit que ouais, bah voilà, bon, ok, en redstone. Ensuite on va se faire donc il me faut ouais tout, le netherwart. Alors la suivante ce sera netherwart, magma cream, voilà, potion de résistance au feu 8 minutes, juste assez de place dans mon inventaire, et puis on va lancer les suivantes. J'ai déjà une fiole d'eau, j'ai
deux fioles d'eau, mais... ouais, de toute façon... Allez, une, deux... allez, ouais. Je vais dire, allez où ma table d'enchantement si je l'ai. Ok. Stone ici. Ouais, voilà, hop, juste attendre un petit peu, hop. Voilà. Bon, potion de résistance au feu. Il était temps. Il était temps, malheureusement mon disque dur est presque plein, donc eh ben, nous retournerons dans le Nether en mode cool au prochain épisode, juste avant, pour vous faire plaisir, je voulais essayer un truc, on va l'essayer rapidement. Faudrait qu'on essaye de jour. Parce que là, j'ai pas confiance. J'ai plus de chien. Je suis à la dèche. Bon, allez, écoutez, ben, je vous montrerai ce que je voulais vous montrer à l'épisode suivant. En attendant, ben... Enfin, l'épisode suivant, ou alors bah, la suite là, je sais pas du tout, hein, je chronomètre absolument rien, donc je ne sais pas du tout à combien on en est au niveau du temps d'épisode de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis bah, je vous dis à plus tard. Flèche, j'ai pas les loin avec ça. Ok, donc nous nous retrouvons donc le lendemain. On est un week-end là, donc j'aurai un peu le temps de tourner. Malheureusement pas ce soir. Enfin, je vais tourner un peu, mais je vais pas pouvoir tourner énormément d'épisodes dans la foulée. Et je voulais... Oui, ok. Alors, question, juste une question. Est-ce qu'il fait jour ? Non, il fait pas jour. On va quand même préparer ce qu'il nous faut. Alors, il nous faut le gravier, il nous faut une torche, au moins une torche. Il va nous falloir un seau d'eau. Un seau d'eau. Et deux blocs. Et deux blocs. On va prendre de la pierre pour ça. Il me faut au moins deux blocs. Ok, en attendant que le jour se lève, paper please. Évidemment, non, c'était bon, c'est juste que... Voilà. Donc, attendez, excusez-moi. Hop, ok. Voilà. Ok, enchante-moi ça.
Tranchant 1, on a déjà un tranchant 1, il me semble. C'est en haut. Puissance, tranchant 1. On peut fusionner, j'ai 5 niveaux. Ça passe. Tranchant 2. Est-ce que j'ai un autre tranchant 2 par hasard? Non. Tranchant 2. Quand on aura une pioche en diamant. Éventuellement. Ok. Réfléchissons, réfléchissons. Netherwart, on est bon. Une seule potion de résistance au feu suffiront dans la barre d'inventaire. Optimisation de la barre d'inventaire. Niveau flèche, on est un peu pauvre. Qu'est-ce qu'on a? On a... C'est ça, on a des plumes, des bâtons, il me faut du flint, et c'est c'est ça qu'on va faire. Malheureusement, je ne peux pas le faire de nuit, trop risqué. Il va falloir que je le fasse de jour, ou alors il faut vraiment pas qu'il y ait de mob à proximité. J'ai un melon dans le jardin. C'est vrai qu'on n'avait plus de chiens. Ce qui est relativement ennuyeux. Là-bas, il y a un creeper. Oh, poudre de creeper, génial. On va pouvoir se faire des splashs. Tu pousses toujours pas. Il est là. Ok, parce que mes healing potions. D'ailleurs, on n'avait plus de healing potions. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Où on est là. Donc la nuit va pas tarder à tomber. Juste le temps de faire des healing potions. Et après, on va farmer du flint. Avec une technique que je compte essayer. Alors, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Donc, je vais l'essayer avec vous. On va voir ça. Donc pour le healing, il va me falloir ça, il va me falloir ça. Et si je pouvais les avoir en splash, ça serait génial, parce que dans les urgences, c'est toujours mieux de les avoir en splash. Ça, il va me falloir... de gold. Non, même pas, il va me falloir qu'un seul de gold, étant donné que c'est des nuggets en normal. Netherwart, il va me falloir également un petit peu de glow, la glow qui est toujours ici, qu'il faudrait que je déplace un petit peu en une bonne partie, en mettre voilà. Ok, alors ah oui, puis on avait encore des résistances au feu prolongées. Exact, des 8 minutes, c'est ça, ouais, prolongé. Donc ok, nos potions d'eau qui sont en train d'être faites. Comme ça, on va pouvoir avoir notre melon. Non, avant ceci, on va mettre comme ceci, avec le melon au milieu. Donc on va avoir ceci, voilà. Ensuite on va avoir la glow, et pour finir la poudre de creeper, et on va finir par une notre netherwart qui sera prête à partir. Ok, 3 healing supplémentaire. J'avais des... Alors attendez, j'ai 3 niveaux. Excusez-moi, j'ai pas lancé le record. Attendez, j'ai un doute, je crois que j'ai... Ou alors j'ai appuyé comme il fallait pas. Excusez-moi, une minute. Excusez-moi pour ce petit fail, j'ai encodé les vidéos sur notre partition, mais
Mais j'avais oublié de vider la partition où je mets mes records de fraps. Donc évidemment, vous avez eu une petite coupure, j'en suis désolé, donc simplement, hein, mais j'avais donc les trois potions dans le brimstone. J'ai mis un peu de glow ici qui était dans le coffre là où je mets la pierre. Et donc là, j'ai une healing potion 2 qui est prête à arriver. Voilà, prête à être utilisée. Qu'on va mettre à côté de... Alors pour le moment, de toute façon, on va pas en avoir besoin. Va juste falloir que je me débarrasse de ça, entre guillemets, me débarrasser. Hein. Netherwart. On bouffe, j'ai ce qu'il faut, j'ai largement ce qu'il faut. Ça pareil, on va mettre ça comme ça. Il va me falloir un peu d'eau, mais je sais où en trouver. En soi, ouais. Est-ce qu'on se fait des golden apples? Ah, on peut se faire les... ouais, non. On va pas pouvoir se la faire. Ce que je veux me faire, c'est des... Les maxi pommes. Les méga pommes avec des blocs des blocs d'or. Si je peux me la faire... faut que je regarde ses caractéristiques, mais je me souviens que c'était méga cheaté, que c'était... insaisissable. Je rappelle qu'on est en 1.7.2, donc les enchantements c'est toujours les standards. Les potions de résistance au feu, ce sera de toute façon pour le Nether. On ira dans le Nether juste après notre petit test sur le gravier pour farmer le flint en illimité. C'est nickel, ça arrive. Alors j'espère qu'il n'y a pas de d'archer à proximité. De toute façon, ce qu'on va faire, alors faut qu'on se mette assez loin. Ok, attendez, juste avant, juste avant, voilà, histoire que ça se multiplie. On va définir là où on va poser, là où on va farmer notre flint. En soi, j'aurais dû prévoir également un hopper, mais ça fait rien. On va se mettre là. Ouais, bah on va se mettre à proximité de... Ouais, mais la flotte... Pff, voilà. Bon, ça fait rien. Allez, hop, on va prendre... Non, je veux pas ça. Je voulais faire ça. Voilà. Comme ça, si j'avais besoin de lave, c'était la même chose. J'aurais préféré faire ça à proximité de l'eau, mais tant pis. On va faire ça là. Un peu plus safe quand même. On va se mettre là. Ici, je pense que ça ira. Donc simplement, deux blocs. Voilà, ensuite du gravier, on va monter comme ça assez haut. Alors je sais absolument pas si ce que je vais faire fonctionne. Ça va m'embêter. Tu connais ton destin. Ton destin. Périr par les flammes. Bon. J'espère vraiment que ça a marché parce que sinon, voilà. Ok. Ensuite, petit saut d'eau pour redescendre. Alors, attendez, je veux bien attendre que ça coule avant de tout lâcher parce que suffirait pas de descendre plus vite que l'eau. Ce serait con. Voilà, là au moins c'est arrivé en bas. Ok. Normalement, j'ai récupéré la source. Ah oui, puis en plus, elles sont en... Ouais, donc ça s'update. Donc on va attendre que l'eau redescende. En soi, pas forcément, mais voilà. On va juste c'est briser ce bloc. Alors on va attendre que l'eau... Que l'eau retombe quand même. En attendant que l'eau retombe, on va aller casser cette pastèque.
Ok. Alors, je rappelle que j'active les commandes pour une seule raison. C'est pour la flotte. Je le fais, c'est juste parce que je sais que de toute façon, vous aussi, ça va vous agacer. C'est juste pour un confort. Je considère pas ça comme de la triche. Bon, même si normalement, lorsqu'il pleut, en fait, les mobs spawnent davantage. Mais bon. L'eau s'est toujours pas descendue. J'ai le temps juste rapidement d'aller rechercher ma laine. Juste aller. Non, pas là. Ça. La laine. Hop. Hop. On va mettre ça là-haut. Ok. Ensuite, on va essayer ça. Donc on va. Donc je garantis pas que ça va laguer. Non, ici, ce sera mieux. Et là, je casse ça. Question, est-ce que ça va créer du flint ou pas? Ou est-ce que c'est full gravier? C'est full gravier, donc il faut obligatoirement creuser le gravier pour avoir du flint. Ok, bon bah non, bah sinon ça aurait été sympa. Tant pis. Bah tant pis. Dans ce cas, bah go se faire une pierre, se faire une pelle. Pas une pielle, mais une pelle. J'ai déjà une pelle. Qui est pas enchantée. Ok. Gravier. Ok, on va refaire notre. Va pas monter très très haut. On va juste. Ça me paraît déjà bien. Ok, donc farming de gravier pour seulement avoir du flint. C'est tout ce qu'il me faut. Flint pour ensuite se faire et ben de. Ah, il y a un chat. Enfin, un ocelot, plus précisément. J'ai vu que vous entendiez peut-être encore les mobs hostiles un petit peu fort, mais moi j'en ai besoin d'ailleurs, je vais réaugmenter mon son. Il a l'air d'y avoir un début de grotte là-bas que j'ai pas vu. Ok, pour le moment j'ai 6 flint. Je vais les mettre à la place ben, des torches résultat. C'est con quand même hein, que le gravier quand il tombe comme ça qu'il puisse pas générer du flint. On est apparemment obligé de le creuser. En soi je ferai quand même des tests. Je vais aller sur le serveur pour tester ça et je vais faire ça avec World Edit. Ça va quand même relativement vite. C'est déjà 14 flint. Le tout ce sera de surveiller la nuit. J'ai l'impression que ça.
Ouais, ça s'assombrit déjà. Bah dis donc, ça va vite. Ok.